Le président du Conseil économique et social a lui également été reçu en audience par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Paul Biya Ogimba est allé faire le compte-rendu de la conférence internationale sur l'émergence en Afrique, tenue récemment à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Eldan Elikumba et Cédric Aliga. C'est en qualité de représentant du chef de l'État en Côte d'Ivoire que Paul Biya Ogimba est venu faire le point de la rencontre internationale sur l'émergence à Ali Bongo Ondimba. Conférence qui s'est déroulée dans ce pays du 18 au 20 mars dernier. La Côte d'Ivoire, comme le Gabon, poursuit l'objectif de se hisser au rang des pays émergents. Au cours de cette conférence, outre les pays africains, il y avait aussi les organismes internationaux, la Banque mondiale, la FMI et tous les autres, la Banque mondiale, la BAC, tous ces organismes économiques et financiers, qui sont aussi nos conseillers, disent que l'option prise par le chef de l'État gabonais, le président Ali Bongo, est le président Ouattara et les autres chefs de l'État en ce qui concerne les restructurations économiques, en ce qui concerne l'accent à donner à tel ou tel aspect, en particulier la formation, l'agriculture, les infrastructures, que toutes ces options-là, toutes ces orientations-là sont bonnes. En marge des travaux de la conférence, le président du Conseil économique et social a été reçu par le chef de l'État ivoirien, Alassane Dramane Ouattara. Une audience qui a permis de revenir sur l'excellence des liens de fraternité et de coopération qui existent entre le Gabon et la Côte d'Ivoire.